Bon, alors voilà, je vais vous faire donc cette fameuse deuxième vidéo pour vous expliquer ce qui m'a mis en émerveillement hier matin. Hier matin, à mon réveil, donc, j'ai reçu un message me disant « Désolé pour mes propos, je lis, hein, désolé pour mes propos en te voyant. Je n'ai pas contrôlé et j'ai été très surprise. Cette réflexion a été trop spontanée. » Quand j'ai reçu ce courrier, c'était donc hier matin, vous comprendrez que mon dépassement de la veille à me surdépasser à faire du sport pour mettre de la joie dans ce qui m'avait été proposé d'écouter la veille, enfin dans l'après-midi, eh bien je me suis dit que véritablement j'avais raison de continuer à être sur cette voie, sur ce chemin de l'amour inconditionnel. Arriver à, non pas à retenir, mais en tout cas à s'introspecter quand on entend quelque chose qui nous concerne, pouvoir rester en lien sans dire mot et sans aller rétorquer quelque chose. Juste rester dans l'amour, rester dans le fait d'être connecté à soi, à ses besoins profonds et se respecter. Voilà ce qu'il en est. Donc, je voulais juste vous partager ça parce que je suis très heureux de l'évolution de mon ex-épouse dans ce sens. Et je la remercie. Je la remercie très chaleureusement. À très bientôt. À ce soir pour l'explication de combien de pompes aujourd'hui. Je nous aime. Au revoir.